Écoute, si t'as envie de passer tes nuits à danser, cache-toi. Va habiter ailleurs. Ici, on est des vrais musulmans. Ouais, ouais, c'est ça, mais va raconter ça aux autres. Et ta tire à 15 plaques, c'est peut-être un cadeau du prophète. T'as de la chance qu'elle comprend rien. Sinon, c'est toi qu'elle foutra à la porte. Tout ça, c'est ta faute. J'en ai marre. Alors, ou tu l'enfermes à la maison, ou jamais je remets les pieds ici. Viens qu'il se casse. Moi, on aura la paix. بس احمد تنساش بلي هو اللي راه يجيبهم للدار. ميرسي. Non, je touche pas la main des gens qui veulent salir ma famille et ma communauté. Ah bon? Attends, mais de quoi tu causes là? Toi, tu fermes ta gueule ou je te mets une claque et tu vas pleurer chez ta rhum. Tu me laisses pas mère tranquille, s'il te plaît, ça va? Alors arrêtez de nous casser les couilles. Allez faire vos putains de concerts ailleurs. Et faites tomber toutes les meufs que vous voulez. Pas ma sœur. Mais qui a touché à ta sœur? Le boss ici, c'est toi. Alors je te préviens, la prochaine fois que je vois ma sœur au concert, c'est toi qui vas morfler. Bah oui. Je sais, merci, j'ai fait de la tôle deux fois déjà. Et ça me dérange pas d'y retourner. Il se prend pour Pablo Escobar ou quoi celui-là là, alors qu'il a fait de la tôle pour 20 grammes de toshi. Bon cog. Ma parole, il faut être niqué de la tête pour vouloir se faire la frangine de Majid. Ça va comme ça, Salem. La ramène pas. Arrête de flipper comme ça, Bernard. Madji, je le connais bien, moi. C'est comme au tac au tac. Quand tu grattes, t'as un zéro. On est pas sûr. Tu peux gagner au tirage. Putain. Même au bled, ils sont pas comme ça. Ouais, c'est pour ça que t'es venu chanter ici. Allez, on se casse. Toi, bouge, y'a pas de place pour toi. Tu me laisses rentrer, je vous balance. Allez, casse-toi. Enfoiré, connard. Tiens, encore ça. J'en ai marre. Faut qu'on débrouille une machine automatique qui fasse des étiquettes. Écoute-le, ma parole. Ils se font pour Virgin Megastore. Tu peux parler, toi, comme ingénieur du son, t'es zéro. Pourquoi? Quand tu tousses, crache pas dans le micro, on entend que toi. Bon. Moi aussi, je suis KO. Cause tes conneries, on peut pas les faire à plus de 15 balles. T'es fou, toi? On est les seuls producteurs dans le coup. Et alors, on va pas vendre tes postillons au prix du laser. Khaled, on a combien de cassettes? Il y en a 20. Ça fait 300 balles. 10 sacs chacun. Ok, si on dit le tout. Passe les cassettes. Salut les gars!
donc, ça l'intéresse pas, la mosquée, votre pote, là? Babou, mais il est pas musulman. Et vous n'avez rien pigé. Je vous ai déjà expliqué que l'islam était ouvert à toutes les religions. Il suffit de se convertir, c'est tout. Deux, quatre, six, huit, dix, douze, quinze... C'est tout? Il y en a un max qui nous ont lâché. Et ce con de Farid, il a été voir l'imam de Barbès. Tu sais ce qu'il leur a dit? Que l'islam, il a jamais interdit la musique. Pfff, l'imam de Barbès. Mais qu'est-ce qu'il connaît à la religion, celui-là? Il est tellement briefé par les keufs qui confond la Mecque et la préfecture de police. À moi, ils vont pas me la faire. Une mosquée, c'est comme une PME. Si t'as pas la poigne, c'est le dépôt de bilan. Tiens, notre quartier 100% arabica. T'as vu ce calme? On se croirait en France. Avec 1 million de subventions pour leur mosquée, j'ai enfin la paix. T'avoueras tout de même que c'est plus efficace que tous ces discours pompeux sur l'intégration auxquels plus personne ne croit. Méfiez-vous quand même que cet argent ne serve pas à financer le terrorisme. Tu sais, entre nous, ce qui se passe ailleurs, je m'en bats les couilles. Même la police ne pouvait plus rentrer dans ce quartier. Ces jeunes ne craignent plus qu'Allah et son prophète. Alors, hein? Chez toi, c'est là. Il n'y a personne. Non, Malika, ça craint. Je veux pas d'histoire avec ton frère. Il reste encore un peu. La prière n'a même pas commencé. Excuse-nous, sœur. On est en panne d'ampoule, hein. Putain, c'est tout bénef de locataires comme vous. Non seulement vous payez pas le loyer, mais en plus vous vous éclairez sur notre dos. Faites gaffe, Ediop. Vous ferez mieux de venir à la mosquée. Tiens, le voilà. L'imam de Barbès. Dis-moi, quand tu vas arrêter de nous casser le boulot, hein? Madame, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tu enseignes n'importe quoi dans ta mosquée pour nous faire de la concurrence. Où t'as lu que l'islam m'a jamais interdit la musique? Ah, à moi! Au secours! Mosquée! بسم الله الرحمن الرحيم. T'inquiète pas, je les connais, on va régler le problème. Aïdou billahi min shaitanir rajim. Attends, c'est mon petit frère, là. Hé, hey, Omar, qu'est-ce que tu fous là encore? Je t'en pose moi des questions. Casse-toi, rentre à la maison. Et c'est pas comme tu parles à ta soeur. Mais quel petit con. T'as vu à quel âge ça commence? De temps en temps, il fait encore pipi au lit. Ah, plains-toi, hein. Moi, avec Majid, c'est l'enfer à la maison. Mais encore, je sais pas que t'es avec Bernard. Un Sefran et manager du groupe, je te raconte pas la suite. Quoi, tu crois que c'est plus cool avec un rebeu? Toi qui es croque de Rachid, sors avec lui, tu verras les embrouilles que t'auras avec sa rhum. Quoi, elle va pas se marier avec? Non mais tu verras que bientôt, elle va lui ramener une meuf du bled, tout juste sortie d'usine, garantie W. T'inquiète, elle aura pas le temps. Écoute. Écoute. Oh, c'est génial. ناس اشتارا قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة Maintenant,
Donne-moi des violons ici, s'il te plaît. Sur toute la longueur? Non, sur le deuxième refrain.